Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Du coup, ce soir, pour le moment, je suis tout seul. Et on va continuer du coup à fixer les erreurs de compilation et l'interface. Donc, on était sur le menu principal. Ah, on avait des erreurs de compile à régler. Ça va commencer par ça. Ce sera très bien comme intro. Si le son est assez fort, fond musical, je l'entends pas des masses, moi. Alors, qu'est-ce qu'on avait? C'est ce que this pas sans pointeur, c'est pas. C'est pas une référence. Parce qu'en fait, il doit quand même construire. C'est la MLC function qui existe pas.
pas la plante, ça va pas le faire. C'est mieux. Ça ne marche pas du tout. Exactement ce que je voulais dire. Function HPP. Prends pas le bon type, ça va pas marcher. Ça se trouve, j'ai fait l'erreur ailleurs en plus. Je suis capable de la refaire ailleurs. Ça a l'air d'aller. Quand on est mauvais, hein.
Access widget component. Il faut NLC for all of... Ah. Genre ici il faudrait NLC for all, je vais le retrouver dans dialect du coup. Basics. Mais oui, c'était évident. Alors. Format paramètre base widget.cpp, c'est lequel déjà? C'est donc apparemment j'utilise pas la position et du coup il aime pas ça. Un truc du genre enfin, vraiment que je fixe mon vim. Ben voilà, incroyable, incroyable, mais vrai. Tout ça pour ça. Ça pour rien changer. Si vous avez des questions dans le chat, il faut surtout pas hésiter. Après, c'était des erreurs de compil, donc c'est pas forcément plus intéressant. Parce que du coup, là rien n'a changé normalement. C'est toujours long à lancer. Ah si, ça a bien changé, c'est tout pété. J'ai tout niqué. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, c'est beau. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je reçois le texte. Qui a pu se passer. Du coup, on passe bien dans la fonction de render du component, ce qui est rassurant. Maintenant, nous chie à la gueule. Nous chie.
fichier à la gueule parce que le texte n'existe plus. Pourquoi il n'existerait plus? Est-ce que ce serait parce que quand on ajoute le component, il ferait une copie ou un truc comme ça? Ça vérifie si ça vient de ça. Si à chaque fois qu'on rajoute un component, le truc devient invalide, ça va vite être chiant quand même. On a moins de merde, mais c'est toujours les merdes. Pas sûr que ça vienne de là en vrai. Pas sûr que ça vienne de là. Est-ce que le render il fera un truc tout pourri à un moment? Récupère par référence. Tableau de widget.
Déjà, c'est un genre un peu plus explicite. Ce sera à cause de la string view qu'on envoie au constructeur. Alors, il n'y a plus la serre par contre. Ça s'est mal passé. Attends, je peux bien construire un texte avec un locuteur en string. Littéralement la même chose. Bonsoir, comment ça va? On est plus tout seul. C'est la Hesse. Bah ouais, non, mais les gens ils finissent de travailler et tout, ils veulent pas venir. Du coup, alors là ça ne crache plus. Merde. J'ai essayé d'afficher du coup la view avant de l'envoyer au component. Elle est valide. De quoi? Après la construction du component, tu veux dire? Donc c'est donc widgets. Le compositeur component.back c'est quoi le nom que je vais donner déjà, texte tellement pas créatif. Quitte. Ah. C'est de mieux en mieux ça.
On a commencé, on avait 15 000, on en a eu 2, puis maintenant c'est 3. No match function fond. Du coup, faut faire quoi? Un as view ou genre construire une string view avec la string en paramètre? Dans quoi les string views? C'est dans dialect parce qu'il y a de la memory. Non, les string views, il n'y a pas de memory. Je voulais voir les strings, du coup c'est dans fondamental. Ah oui, les strings c'est fondamental. Il y a l'opérateur de cast vers les string view, mais il n'y a pas de as string view ou quoi en fait. Ouais, si tu construis la string view à partir de là, c'est dommage que du coup tu puisses pas juste dire bah tiens, print une string et il a pas connaissance de string. Quoi? Text is... Ah putain. C'était du coup. Ouais, mais c'est du debug, on a le droit d'être moche quand on debug. On dit ça, puis après ça arrive dans le jeu final. Oh mon dieu! Ah, parce que c'est en statique, faut que je fasse en dynamique en plus quoi. Ça. Ah. Ah. C'est long. Tout à l'heure ça allait vachement bien, c'était rapide, et puis là c'est long. C'est une grosse blague. Ah putain, il était bon et il s'est niqué la gueule. Franchement, il était de l'autre côté de. Il était sur l'autre écran, il était bon. Je l'ai déplacé, il s'est niqué. Il y a peut-être une histoire du nombre de renders qui se fait aussi. Hein. Ce serait bizarre, est-ce qu'on retouche pas au tableau? Vite le. Quoi? On n'entend rien? Comment ça? Comment ça, on n'entend pas le reste? Est-ce que c'est mieux? Parle un coup. Allô? Putain, du coup les gens ils devaient tellement s'ennuyer. Heureusement que je parlais. Hein. Heureusement qu'il y avait personne. C'est l'astuce. Ouais, par contre, heureusement qu'il y avait personne. Par contre, je suis encore passé pour intérêt à parler tout seul. C'est devenu une habitude ça. Du coup, je sais plus ce qu'on disait. Le print n'a rien affiché. Le print n'a rien affiché, par contre, oui. On avait fait, oh bah y'a rien. C'est une string vide, ce que tu me dis là. Si tu changes le net en monolithic vector, parce que les monolithic vector ils sont stables en mémoire normalement. Y a pas de faire de malocation comme ça. Ouais, ça. Ouais. Et du coup, en paramètre, ils prennent pas un allocateur mais un nombre d'objets max, mais tu peux mettre un peu ce que tu veux, c'est ta mémoire virtuelle. Ouais. 16. Je vais paniquer. Oh. du coup, c'est à côté des vecteurs ou pas du tout? Ouais. Faut que je retrouve les vecteurs maintenant. Ils sont... Tu l'as pas inclus. J'ai pas inclus les vecteurs. Ah, du coup, c'est fondamental les vecteurs, non? C'est containers. C'est containers, oh, putain. Donc, MLC containers. Containers ou container? Avec un S. Y a un S? Tout à fait. MLC containers. Et du coup, un vector, parce qu'on en a quand même d'autres.
c'est containers. J'ai fait une connerie non? Ouais. C'est hyper. Monolithic vector HPP. Il y a un H, s'il vous plaît. Ah, il y a un H au T du coup, c'est ça? Ouais. Du coup, ça va être pareil de l'autre côté? Je crois que tu l'avais bien posé pas HPP. Ah ouais, non, tu l'as pas eu. Ça, ça part, ça, ça on le compile. Faut qu'on enlève le reverb dessus parce que ça va pas compiler. Ça compile carrément. Ok, vas-y. C'est peut-être pas normal que ça compile, mais ça compile carrément. Ah. Ah non, c'est parce que j'ai un reserve là-dessus que il décède de la sorte ou. Ouais, je pense. Putain, mais faut recompiler, on a dit. C'est ouf, les gens, il y a pas de musique et se plaignent pas. On va se demander pourquoi on met de la musique. Oh mon dieu! Layout location 0 infected. Ouah, ça c'est le texte des shaders. Ah mon dieu, ça a explosé. Bah, il y a un dépassement de mémoire quoi. Ça a explosé la mémoire. On a tout niqué là. C'est bien ça. Quand on a fait. Putain, il se passe rien dans ce code là. Mais c'est les. Ouais. Les allocations en open place comme ça. Ça fait des trucs chelous, je pense. De quoi? Les component.back point machin et tout ça. C'est le point append en mettant direct la texture, normalement ça marche. En mettant directement. Pourquoi c'est ça? T'appelles pas un objet, t'appelles un truc de constructeur et du coup normalement. Est-ce que ça te fait bien un move? Bah normalement c'est une write reference du coup il move, non? Ouais mais t'as pas défini le move. Ouais, du coup faut voir et si le default move il fait pas de la merde en fait, c'est ça? Et normalement, quand t'as pas défini move, il essaye de faire un copy, mais la copie est pas définie normalement non plus avec une string, donc je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi ça compile ton truc. Bah, du coup, on va faire les moves, non? Ouais. C'est le mieux? Ouais, il faudra qu'on enlève les groupes sur les membres, par exemple, si tu veux faire un move. Oh, non. Ah, sauf si tu fais que le move constructeur. Ouais, le move constructeur normalement c'est bon, c'est constant. Faut le faire sur tous du coup. Sur le base widget et tout ça, je pense. Enfin, déjà voir le texte, peut-être, je sais pas si le texte suffit. Ouais, déjà vu le texte, déjà. Mais. Ouais. Du coup, il prend un texte widget component double référence, c'est ça? Ouais. Vous avez une nomenclature sur les noms là-dessus? Souvent on appelle RHS. RHS, ouais. Classique, efficace. Ouais. Alors par contre, j'ai jamais fait de move constructeur, je crois. Et ben. Tu fais quoi dedans? Tu fais des NLC forward et puis voilà. NLC move. NLC move. De RHS.text color égal NLC move NHS. Mais de la même manière que tu construis le truc, quoi. Ouais. Sauf que par exemple pour color et font size, tu peux les faire en copie en fait. Il n'y a pas de. Ça change rien. Ça, voilà. Du coup, il faut faire le render. Non, faut que je fasse celui du. Faut que je fasse son move à lui, comme ça je peux directement appeler le constructeur du move. Base widget component. Non, c'est pas une étoile. Et tu peux pas directement appeler base widget component en mouvant ton l'autre truc. Si je pense, t'as pas besoin de le faire dans base widget component. Pourquoi? Vu qu'il prend une fonction en paramètre. Tu peux directement appeler dans textWidgetComponent, t'appelles celui de BaseWidgetComponent en faisant un LC move de RHS.renderer. Ah, genre je le construis de manière standard en fait. Ouais. Ouais, mais est-ce que ce sera pas nécessaire à un moment d'avoir le move du BaseWidget? Je sais pas. Peut-être. Parce qu'après, si on traite que avec des BaseWidgets. Je sais pas si ça pourrait peut-être merder un peu.
Bon, de toute façon, au pire, on l'a et puis c'est pas bien grave, hein, franchement. Oui. Par contre, faut que tu rajoutes. N'est pas une ligne de code dedans. Quoi ? Faut que je fasse le LC move. C'est dans Basics aussi ? Ouais. C'est NLC 2.NLC move ? C'est 2.2.move. Move. Move. Move your body. Ah, mais il est déjà le basique. Excellent. Tu l'as déjà ici, ouais. J'en ai besoin de l'autre côté, du coup. Ah, comment il l'a pas pris ? Non, c'est pas ça. Ok. Donc là, je vais faire un base widget component RHS. Là, j'ai pas besoin de le move vu que c'est déjà un. En fait, toi tu le move. Mais si tu move et que ton RHS en fait c'est pas un, une write and sign mais c'est un copy, ça va merder. Sinon, je peux forward que ça le passe. Comme il arrive. Je peux le forward du coup. Attends, mais c'est pas ça, c'est NLC underscore forward, non ? NLC c'est avec underscore pour le forward. C'est une macro en fait qui fait des trucs. Mais du coup, c'est pas dans un SES. En fait, t'as NLC 2.2.forward, mais après, quand tu fais ça, il faut que tu explicites le type template. Du coup, c'est chiant. Alors que la macro par contre. Ok. C'est pas possible. Donc ensuite, il y a. Texte. Ouais, je vais changer ça parce que je vais pas kiffer très longtemps cette histoire. Texte. Ouais, non, mais faut que je répare l'environ. NLC, donc move. Tu peux vous dire. De RHS. Texte. Mais bon. Dites donc. Vous avez pété un câble. Il manque une parenthèse, monsieur. C'est terrible. Ça va pas compiler ça encore un coup. Après on va chercher 40 ans pourquoi. Mais en vrai c'est compliqué hein, de coder après une journée de code. Là tu peux te passer du VLC move mais. Mais est-ce que est-ce que ça prendrait plus de temps de faire un move ou de juste le reconstruire avec Non ça va compiler sur la même chose. Ouais mais d'un point de vue de temps ça devrait pas changer grand chose non plus. Moi. T'as mis widget color, ça peut être color. Ouais parce que j'ai repris le truc au-dessus en fait. Je suis un salaud. Donc font size, RHS, font size. Qu'est-ce que j'ai fait de mes accolades dessus? C'est ce que j'ai fait ça. J'ai fait ça ce moche. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Oh, y a le base widget, il nique tout le layout quoi. Donc, tout il est beau, tout il est propre, puis t'as un pavé qui dépasse d'une ligne là, n'importe quoi. Y a plus de respect. Plus de respect pour les traditions. Donc basic c'est bon. Donc là normalement ça devrait suffire. Lui pendant ce temps là il est toujours en train de détruire la mémoire. Tu devrais l'implémenter sur les bases widgets et container widgets, tu penses qu'il y a des vecteurs. Ah. Oui parce que ta string elle est const dans text widget component et un const qui fait pas le move. Il va me dire pareil pour les autres du coup. Texte, non parce que les autres en fait l'opération par copier elle existe. Ouais du coup il va le copier en fait. Ouais mais du coup quitte à copier autant pas le move en fait. Ouais. Sinon ça fait un move pour copier pour autant copier directement quoi. Là il pète un câble sur le append mode.
Ah mais parce que je l'ai mis en protected le move. Ouais non mais parce que j'ai mis les constructeurs de base en protected. Comme ça à un moment tu peux pas le construire à l'extérieur. Mais du coup par contre le move a priori il faudra l'avoir en public quoi. Bonsoir. Bonsoir. Coucou. J'en peux plus, tuer les métros, faites un truc. Ah, attention, en disant ça, tu pourras plus te déplacer. J'ai encore mon vélo. Ouais, le problème c'est qu'on n'a pas été en vélo. Parce que je sais que. Non mais voilà, parce que de toute façon je savais qu'on avait parlé longtemps. En plus vu que Paris c'est quand même une ville qui est très réputée vol vélo, hein. Je vais voler le dernier. J'y suis pas allé en vélo, du coup je suis allé en sport en commun. Incroyable. Du coup j'ai suivi les péripéties. De quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Dans tes suites de compétences là ça va pas marcher. Faut pas que tu le move dans. Que tu forward dans le. Qu'on s'appelle base widget de compétences. Quoi? Il faut pas que j'appelle quoi? Forward. NC forward de RHS. Dans le quoi, est-ce que c'est une marque déposée? Constructeur de text widget de compétences. Ici. Là, ouais. Voilà. Ici, faut que t'envoies move de la fonction en fait. Parce que une fois que t'as fait ton forward là, après ton RHS il est plus valide derrière. Ah, ça nique le RHS? Bah, ça le forward le truc, du coup, ouais. C'est ciao. Du coup, il faut que je le move. Il faut que tu move que la fonction dans le base widget. Ah, d'accord. Donc, ici. Non, pas ici. Ici, il faut que je move que la fonction. C'est déjà le cas. Non, tu veux dire qu'il faut que je remplace le constructeur par juste un appel de renderer move ouais. Du RHS, quoi. C'est ça. Mais du coup, je le construis plus. Il va accepter ça. Non, tu peux faire base widget composante et dedans move de RHS pour un renderer. Tu vois. Ah, il y a le corps. En fait, ici, il faut juste que je prenne ça. Ça. Et que je fasse un NLC move à la place du coup. C'est ça. Du coup, virer le forward, c'est nickel. Comment du coup je peux? Je peux supprimer l'autre constructeur de base widget component. En fait, non, en théorie je pense pas. Mais normalement, un objet, une fois que tu l'as forward ou move quelque part, tu le réutilises pas derrière. Quoi. Et du coup ça l'invalide carrément? En fait ça dépend quand tu le fais, nous dans les trucs, la façon dont on a fait. C'est que ça l'invalide pas, il reste dans un état mais il n'y aura plus rien dedans. Ah il va être vidé quoi, enfin... Potentiellement. Ouais t'es sur du undefine quoi. Normalement c'est pas undefine, c'est genre by une string quand tu la move il n'y a plus rien d'alloué dedans. Un vecteur quand tu le move il n'y a plus d'objet dedans, enfin tu vois ce genre de truc. Ouais t'es censé vider l'autre côté quoi, t'es censé nettoyer le RHS quoi. Ce qu'on pourrait faire là d'ailleurs, hein, dans le text widget, on devrait peut-être le faire en fait. Bah en fait, normalement le NLC move du texte parle. Quand tu move la fonction, normalement après ça te renvoie, ça te fait qu'une fonction qui est nulle, donc ça c'est bon. Quand tu move le texte, ça te fait un texte vide, donc ça c'est bon. Et après la color et font size. Ouais, ça c'est. C'est pas. Il n'y a pas de mémoire. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé avec ces opérateurs, j'avoue. Mais du coup ça devrait. Comment? Du coup ça devrait. Allez. Ouais là maintenant ça devrait aller. Mais ouais du coup si tu déplaces complètement tout l'objet. T'as tout l'objet qui est niqué quoi. Théoriquement. Ça. Là qui est vite quoi. Ouais du coup normalement le move du base widget il sert plus à rien. Mais... Maintenant qu'il est là. Oui, c'est ça. C'est ça tu peux l'enlever. Ça mange pas. Est-ce qu'il faudrait l'enlever? Parce qu'en fait, s'il est enlevé. En fait, il faudrait carrément delete le constructeur. Ça dépend, parce que tu peux avoir potentiellement un autre composant où il n'a pas grand chose d'intéressant à move dedans. Et du coup, là, tu peux te permettre dans le move constructeur de move tout l'objet dans le base widget si t'as rien d'autre à initialiser. Tu vois. Ouais, mais à contrario, si t'as un autre component qui ne déclare pas de constructeur en move, bah ça va être silencieux. Parce qu'il va le faire en default. Comme là, ce qu'on a actuellement, quoi. Bah, ce qu'il y a actuellement, je comprends pas comment ça marche.
mais peut-être. En vrai, je le dis très bien quand même. Hein. Ouais, ouais. Comme ça, ça force. Je veux dire, ça force les gens à l'implémenter, mais. C'est toi, les gens. Les gens, c'est moi, donc. vas-y, je le delete comme ça au moins. En plus, il passe en protected et puis. Normalement, là, du coup, à la compile, il y a le container qui va nous dire eh, mais dis donc, moi, je sais pas ce que je fais. Ouais. Mais c'est du pas coup, grave. Non, résumé, t'as raté des trucs, il est en train de casser toute la mémoire. Ah ouais, putain, ouais, je l'ai pu. Mais... Il est tout explosé. C'était celui-là qui. Cette version-là là, qui était. Non, bah non, j'ai recompilé entre temps. Oh, dommage. Il te traite bien. Ouais, il est quand même bien. On a tout niqué. Enfin, on a tout niqué. C'est moi qui ai tout niqué. Et on a vu un morceau de code de shader aussi. Il s'est inséré. Tellement on a niqué la mémoire. Oh, les sacs, quoi. Si tu veux partager ton écran, Nors, tu le dis, hein, je repasserai en mode dual screen. Non, t'inquiète, pour t'inquiète. Je suis en solo. Mais... Non, t'inquiète pas, là pour l'instant, je me fais un Halo Resto. Ah bah bravo, hein. Ça fait non, mais t'as vu, alors où je suis revenu, là, vélos, je peux pas faire le. Non, mais voilà. Le mec, il peut pas sortir en vélo parce que voilà, et après, il dit aux gens de venir en vélo chez lui, quoi. Vous croyez, il est même pas 20h, le mec a déjà la flemme. Ah, North Flemme. Déjà. North Flemme. Donc, tu feras attention, allez. Parce que ça peut finir en alerte, ça, hein, le North Flemme. De quoi? Bah, tu peux créer des alertes sur Twitch. Ah bon? Oui. C'est-à-dire enfin, du coup, c'est des alertes où tu recordes un son et puis après les gens ils peuvent demander à le play et tout ça. Merde. Ah oui. Et oui. Faut faire attention, hein, aux conneries que tu dis comme ça, parce que ça se finit mal. Hein. Bon, du coup, ouais, non, mais le truc mais le plus important. Oui. Comment ça, c'est... Non, mais ça, c'est un truc que tu dois activer toi, tu peux pas le faire. Ouais, hein. Ouais, mais je peux le faire, là, du coup. Non, on n'a pas. Bah, si. Pas besoin. Et non, putain. Il y a un obligé. Genre de besoin qui faut écrire quand même, quoi. Ah, mais j'ai encore fait n'importe quoi. Non, non, c'est bon, non, j'ai pas fait n'importe quoi. Comment donc ça, ici. Hein. Components et là NLC move 2 HS. Non mais c'est bien du coup qu'on fait un peu plus de code là aujourd'hui, comme ça du coup on introduit un nouveau membre de la team. C'est dommage d'ailleurs, je voulais au moins avoir une petite musique là, la Smash Bros là. Non. Ouais, pour introduire du coup une ligne de droit, c'est chaud. Gâteux qui rejoint la team GM Spell. Moi. Félicitations, yes. Bienvenue dans mon mer. Ouais. Bienvenue dans ceux qui bossent lentement. Je suis très heureux de remercier mes parents. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Merci aux parents de GatGat. Ils m'ont mis au monde. Exactement. Ils ont fait là leur meilleure bonne action qu'ils auraient jamais faire pour l'humanité. Il a tout cassé encore. Ouais, là il pète un câble. Monsieur Norsten, oui. Vous allez recevoir vos pas de taille. Je pense que t'as pas bien écrit ton constructeur. C'est ce que j'ai pas mis les accolades, bien sûr. Comment? Je disais bonsoir aux viewers, parce que c'est vrai que je suis arrivé un peu comme une tornade là, à cause de mon truc. Donc, de ce que j'en vois. Bonjour, Snia. Bref, j'arrive plus à dire. Nia. Ouais, Nia et Violette TV. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Si c'est la première fois. Prends pas pour certains, mais. Prends donc un siège, serre-toi dans le frigo. Oh punaise. Pourquoi? Parce qu'il y a deux personnes, du coup il n'y a plus de place. Vector.hpp, hop, attenting, to reference, deleted function. T'as mis la musique ou pas là? Ah, parce que du coup tu vois le vecteur il a besoin de du move constructeur du base widget. C'est n'importe quoi, monsieur. Ouais. Tu vois comme quoi y a un intérêt à le déclarer en delete, hein, parce que ça nous spot des trucs sournois. Je dis non. Quel cas?
Ouais, c'est pour le append en plus. Hein. Ouais. Putain. Donc le append se fait en move quoi. Ouais, c'est ça. Vous pourriez expliquer ce que vous êtes en train de faire. On corrige les erreurs de compilation parce que en fait, la mémoire corrompue vient directement d'une erreur qu'on a faite. C'est que en fait, dans la gestion dont les objets existent, en fait, soit on peut à chaque fois qu'on passe l'objet à une fonction ou en paramètre d'un autre objet, soit en fait le programme va partir du principe qu'il faut copier l'objet. Soit on peut lui dire explicitement non, je veux pas que tu le copies, je veux que tu m'envoies la référence de l'objet qui m'a été envoyé. Soit là dans notre cas en fait ce qu'il fait c'est ce qu'on appelle un move, c'est-à-dire qu'en fait il va pas en fait l'objet est temporaire au moment de l'appel de la fonction, il est plus du tout utilisé après, donc en fait il envoie directement l'objet en sachant qu'il sera détruit l'instant suivant. Enfin, get, tu m'arrêtes si je dis des conneries, mais c'est, ouais, non, c'est vulgarisé c'est au possible. Ouais. Sauf que du coup, nous, on n'avait pas déclaré comment les objets devaient se comporter quand on faisait un move sur eux. Et du coup, la mémoire a paniqué parce que, en fait, le compilo, en fait, dans ces cas-là, lui, il essaie de déterminer un comportement par défaut. En se disant, je vais essayer de faire un move sur chacun des paramètres, enfin, sur chacun des membres. La plupart du temps ça marche pas. Si les objets sont trop complexes, ça marche pas, donc il faut le faire soi-même quoi. Et là du coup on a clairement la preuve par A plus B que c'est bien ça, parce que en fait dans l'objet de base des components de UI, j'ai explicitement dit en fait le constructeur par move n'existe pas. Tu t'as pas le droit de l'appeler. Et du coup il veut plus compiler parce qu'il en a besoin en fait pour les mettre dans des tableaux. Ça permet de savoir où il faut le écrire, l'expliciter. Et du coup voilà, donc on a la certitude maintenant que c'est bien parce qu'il n'y avait pas de move constructeur. Ça c'est un truc très spécifique au C++. Ouais, ça pour le coup c'est vraiment du... pas d'autres langages qui puis du C++ récent. Hein. Parce que les moves c'est quoi, c'est 14 11 14 ouais. Trop récent. Ouais non mais ça va, c'était il y a 7 ans mais... Enfin, je veux dire, il y a des gens qui codent toujours en CPP 98. Hein. Enfin, il y en a, le CPP 11, c'est le turfu. Hein. Sachant que du coup, ouais, les langages comme ça, ils fonctionnent par vague d'amélioration. Je vais pas dire tous les ans, parce qu'en vrai, tous les ans, il n'y a pas forcément des trucs. Mais là, il y en a une cette année, je crois, non ? Mais normalement c'était CPP 20. C'était l'année dernière. À 20 et ouais. Il y a eu le 11, le 14, le 17 et le 20. Et à chaque fois en fait c'est des vagues d'amélioration monstrueuses. Je crois que le CPP 11 il avait introduit ce qu'on appelle les shared pointers il me semble. Ouais, enfin les smart pointers en fait. J'ai checké les moves c'est du 11. Et du coup les moves constructeurs ça vient du CPP 11. Donc c'est des trucs qui... bouleverse un peu les fondements du langage, mais après ils partent du principe qu'ils doivent toujours rester rétrocompatibles avec le code précédent. De sorte à ce que même si tu t'améliores, tu prends une nouvelle version, normalement ton programme il continue de fonctionner. Modulo en fait les compilos, parce que les compilos pour le coup c'est pas les comités qui les font, donc. Donc les compilos peuvent très bien dire en fait non, on n'a plus envie de supporter ça, donc on le supporte plus et puis voilà. Enfin, il me semble. Hein. Je sais pas si c'est pas dans les normes directement écrites qu'ils doivent garder la compatibilité. Mais après, ouais, il y a certains trucs. Il y a des trucs où la compatibilité elle est plus très présente, hein, franchement. Ah parce que c'est pas un mal en vrai, hein, parce que ça te fait gagner du temps en fait de pas être trop compatible. Mais, ouais. Mais c'est vrai que. T'apprécies quand même quand t'as pas sorti un projet depuis 5 ans et que tu relances, tu compiles et ça marche toujours, ça fait plaisir quoi. Du coup tu feras jamais la mise à jour. C'est trop long. Avant le C++11, je crois que la dernière norme c'était le 98. Ouais par contre ouais, il y a un gros gap entre 98 et 11. Sortir les doigts ouais. Et puis maintenant ils essayent de faire des trucs tous les 3 ans. Ils se sont bien sortis les doigts. Parce qu'ils ont renversé le langage monstrueusement. Parce qu'il s'était bien enfoncé. Comment ? Ouais, bah, ça fait un appel d'air tellement ils les ont retirés fort quoi.
Bref, c'était les blagues scatophiles du soir. Bonsoir. Donc il nous faut le move constructeur du base widget. Ou alors, on fait voir le serveur. Tu peux aller au main.cpp 153. On voit pas les lignes. Ouais, non, c'est chiant. Attends, je vais regarder s'il n'y a pas la commande vite fait. Ah, si, elle est en bas là. Ouais, non, mais je préfère l'avoir sur la marge parce que c'est chiant sinon. Ouais. Voilà. Ça le fait que sur cette fenêtre là, c'est trop bien, mais au moins on l'a. 153 c'est le append, hein. Enfin, de toute façon c'est ce que l'erreur disait, hein. C'est au niveau du append, ça référence une fonction qui a été delete, panic abort. Mais attends, abort. Quoi? Quoi? Non. Tu fais un vecteur, ton vecteur de widget, enfin c'est un vecteur de base widget, c'est ça? Ouais. Component. Et dedans tu fais des trucs qui s'appellent, qui sont des text widget, qui sont plus gros que les base widget. T'as cru que ça allait bien se passer? Bah ouais, non, mais du coup, ouais, non. Forcément. Ça va pas bien se passer. Faut mettre des pointeurs. Ouais, mais du coup, je vais être obligé d'avoir des pointeurs, hein. C'est chiant. Ouais. Quand même hyper, quand même, ces habits. C'est vrai. J'ai toujours dit ça, c'est trop long quand même. Non, parce que je fais de la référence sur les habits mongols. Ça. On est en été, merde. Des shorts courts, là. C'est chiant d'avoir des pointeurs. Ça peut. Mais ça se fait quand même. Ça dépend quel âge tu as. Ce que tu peux faire. De toute façon, on n'a pas vraiment de solution. En fait, faudrait templéter base widget avec le component qu'il a dedans, quoi. Ouais, mais du coup, tu pourrais plus en faire un vecteur du coup de ça. Non, mais de toute façon, je voulais pas le garder en vecteur. Je voulais avoir un base widget qui a un seul component. Après t'as les containers qui ont plusieurs base widgets, tu vois. Ouais, mais voilà, on est reniqué parce que les containers du coup ils seront typés, ouais, par rapport au type de base widget. C'est ça. Ça c'est chiant. Oui. Ça on veut pas. Ça on a dit non. Comment t'es tout énervé là d'un coup? Ça on veut pas. Ça on a dit non. On aurait dit, c'est que t'engueulais le chien qui avait chié par terre, tu sais. Mais du coup, ouais, pour ça, je pense que tu les mettais en unique pointer, quoi. Et je vais devoir vous laisser. Ah, t'as une rue. Ah, mais c'est terrible. Tu nous laisses au pire moment. Je te laisse gérer ça tout seul. Là. Oh, c'est terrible. Bah, ça, c'est facile, tu mets des unique pointers et puis... Tu commences bien ton premier jour, toi, hein. Ouais. Ah, faut pas trop forcer le premier jour, on m'a toujours dit. Parce qu'après les gens ils ont des attentes et tout, c'est chaud. Incroyable ça. Et les unique pointers, c'est du NLC du coup? Bien sûr. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Alors, vous n'utilisez pas les STD. C'est quoi du coup, c'est dialect? Ton avis. C'est chaud. C'est fondamental. Pourquoi? Parce que c'est fondamental. non, en vrai, je sais pas. C'est méta. C'est méta parce que c'est templété. Non. Fondamental parce qu'il y a des allocations de mémoire. Ah, c'est fondamental quand même, du coup. Ah oui, ils sont tout en bas de fondamentals. Parce que U, c'est vers la fin de l'alphabet. Bah oui, l'alphabet, c'est important. Mais du coup, dialect, c'est quand il n'y a pas d'allocation mémoire. Fondamental, c'est quand il, ouais, y a de l'allocation mémoire. C'est ça. Je confonds encore un peu les deux. Hein. Je sais qu'il y en a un, c'est quand il y a de l'allocation, et l'autre, c'est quand il n'y en a pas. Mais alors, à chaque fois, je confonds les deux. Ok. Non, mais c'est... des fois, il y a mon cerveau, il bug, et il sait plus c'est lequel. D'accord. Et ben. Mais il essaye, tu vois. C'est... Pas de moyens mnémotechniques, donc.
Débrouille-toi. Bah ouais, c'est... C'est comme la droite et la gauche, finalement. Ça va rentrer. Ouais, c'est ça. Puis des fois, ça va repartir. Et du coup, pour les uniques, il faut que tu lui envoies l'allocateur. Ouais, et le pointeur. Et du coup, c'est le pointeur qui a été alloué avec l'allocateur. Yes. Et du coup, comment tu construis un pointeur avec un allocateur? C'est allocateur.allocate. Templété, du coup? Oui. Alors, que je vérifie. C'est direct. Parce que l'allocateur il est dans dialect. Pas du tout. Non non il est dans fondamental. Parce que c'est de la gestion de mémoire. Ouais je suis dessus là. Enfin, je suis sur l'allocateur pour HPP mais c'est la version de base j'ai l'impression. Ouais mais normalement t'as de l'interface avec. Tac, tac, tac. Ah, il est pas templété. Hein. Ah c'est create non? Alors create il va l'allouer plus appeler le constructeur. Avec l'argument qui passe. Oui, t'as un allocate qui est templété. J'étais templété. Sur celui en bas où il y a juste une taille et puis voilà. Ouais. C'est le truc vraiment basique et puis après il y a des surcharges templétées pour que ce soit un peu plus. User-friendly. Du coup, il t'appelle allocate. Je crois qu'il faut que t'appelles allocate dans le unique pointer parce qu'après derrière il va appeler free. Et si t'appelles create, il faut appeler destroy derrière. Ouais, du coup, le unique pointer lui il fait forcément un free et du coup tu peux pas faire de create, c'est ça? Si je dis pas de bêtises, unique pointer. Ah, ça m'arrange pas moi ces histoires là. Ah non, le unique pointer il appelle le destructeur et il fait free. Donc tu peux l'appeler create. Tout à fait. Ouais, il fait les deux au cas où quoi. Ouais, d'ailleurs, le destroy en fait il fait un free. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que c'est le symétrique de create. Destroy. Bon, on verra bien après. Enfin... Parce que, après, le create, le truc sympa c'est que tu peux lui envoyer les arguments. Quoi. Oui, c'est ça. Non, mais tu devrais pouvoir l'utiliser. Dans ton cas. Attends, du coup, ça veut dire qu'il faut que je passe par des unique pointers. Ça marche pas cette histoire. Moi. Ah bon. Après, tant qu'il y en a qu'à un seul endroit, ça va. Ça va gérer. Sinon, c'est des unique pointers. Quand tu vas détruire ta widget, ils vont se détruire tout seuls. Ouais, c'est ça. C'est terrible. C'est terrible cette histoire. C'est terrible ce qui se passe. Ouais, je vais à la rue, mais je serai quand même un peu dispo en écrit sur Discord si. Ça marche. Tu passeras le bonjour de ma part. Oui. Bonne fin de stream. Oui. Merci. Chouchou. Je trouve pas le bouton. Salut. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Terrible feu. En effet. Ouya. Couleur du coup là. Oh lolo. C'était bien ton rendez-vous quand même. On parle pas. Vraiment quoi. Ah ouais, à ce point là. À l'aide. Où est moi? Et toi, ta journée? Ça a été. Ah ouais? Genre bien ou en mode. Tranquille. Il n'y avait pas grand chose à faire parce que du coup. J'avais des grosses compiles à faire, ça a pris pas mal du temps de la journée, c'était assez triste. Ah c'est caca.
C'est vrai que toi, t'es, du coup, t'as repris bien. Moi, j'ai repris hier. Là. Ah, c'est ça. Hop. Ah, c'est mieux là. On est bien là. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce... Incroyable. Hop. Voir si je suis profonde. Tout. Gadget qui te crée un truc. Mec unique. Ça existe, c'est incroyable. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Je vous jeter, mais c'est trop bien ça. Hugo, ça t'a aidé. Ça va être pratique ça. C'est marrant cette histoire. Ah, c'est rigolo. Qu'est-ce qu'on se marre? Voilà. Le double allocator, c'est mignon, tu te demandes ce qui se passe. She'd like to sneak. Vraiment les sacs à main. Hop. Hop, hop. Hop, 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 hop. Ah, un monsieur dénommé Hakim est en train d'arriver pour me délivrer ma pitance. Je suis fort aise. Ah, ce bon vieux Hakim.
m'en vais donc lui donner un pourboire quand il arrive. C'est fort aimable. Toujours. Alors moi, si jamais il vient et qu'il commence à insulter mes grands morts pour un horizon, alors là, pour le coup, je lui dirais, bah, c'est non. En même temps, pourquoi après, il ferait ça? Je sais pas. Tu sais, c'est, on aime toujours s'imaginer les éventualités à la con. Succès. J'ai pas mis le chat. Great success. Gadget like to see. Si, si, il est là normalement. On le voit, il est tout en bas. Ah ouais. Ah oui, oui, il est tellement en bas, dis donc. Coucou. En vrai, j'aimerais bien peut-être mettre un fond, en fait, ce serait vraiment bien. Alors, je sais pas si c'est possible, je crois pas. Si, c'est possible. Déjà, si je suis pas sur le bon truc, ça va pas aller. Oui. Oui. Voilà, background color. Ouais, mais y'a pas d'alpha. Y'a pas d'alpha, bravo. Qu'y a-t-il, messire? Point d'alpha? Oh, dis donc, il va vite là, le monsieur Hakim. Ça va oh. Vite. Ah ouais, non, non, il est. Dis donc, je suis tombé sur Sonic le hérisson là. Oh, genre. Vite, North Slave à fin. Non, mais sans déconner, par contre, il arrive vraiment vite là. Il arrive dans quoi? En moins d'une minute. J'ai enfilé mes bastouks. Je reviens. Quoique, attends. Il y a quelque chose qui l'a stoppé dans sa course. La police. Oh non, Hakim, ne me dis pas que tu t'es fait vilipender par quoi que ce soit. Ah, c'est bon, il est là, j'arrive. Quoi, pas grande couleur, c'est bon. Preview purpose. Vite! Mais dis donc. Heureux. Ça n'empêche, j'ai envie de casser une tradition, quoi. Normalement, le mardi, c'est pizza, c'est pas taille.
Bon, bref. Ah bah, bravo. Bah oui, mais. Je me suis dit, si en plus de ça, je fais le malin et que j'attends une livraison de pizza, vous alliez m'engueuler. Donc, du coup, dès que je suis prêt, je suis revenu plus vite. Franchement, t'aurais pu attendre une livraison de pizza à la place. Non, non, parce qu'il fallait que j'aille au reste. Au resto et commander la pizza. C'est pas très grave ça. Pire, mais tu si, les appelais dans le métro, tu fais, oui, j'arrive. Non, je vais me préparer ça. J'avais pas le numéro. Ça se trouve sur internet ça. Oui, oui, bah. C'est bon, est-ce que tu peux me laisser même, Laisse-moi au moins une excuse. Non seulement. De toute façon, je suis tombé sur un livreur d'une sympathie incroyable. Cet échange me restera à jamais marqué dans l'esprit. Enfin, dans l'esprit. Non, mais les livreurs, ils sont sympas. Hein. Ils sont tellement précaires général, que, ouais. Ils sont obligés. Heureusement. Bon. Allez, s'engueule sur le code. Bataille. J'affiche des points de vie comme dans Yu-Gi-Oh ou pas? Ça y est. Ok. Je m'agace. Je m'agace tellement. En même temps, on fait des trucs qu'il aime pas, le programme aussi. Hein. Bah, c'est ça. C'est un peu votre foot, quoi. Ça vous plaît. Donc, on peut pas caster directement vers le pointeur. Ah, mais là et tout. Moi, j'étais là en mode chill, et puis ils arrivent, ils me cassent les couilles. C'est pas de soucis, hein, j'ai vénère. Alors, du coup, moi, il faut que je passe. C'est. Où c'est? C'est. Yes, ça, it's ok. Ça, it's valid. Allez. Et eh ben dis donc, heureusement qu'il a quitté le stream, hein. On va tu là. Ça va. C'est la hotline sauf un coup. Quoi. Ouais, grave. Ouais non, occupe-toi de ta réu là. C'est mieux. Mm-hmm.
Thanks to meet you. Parlons. Ouh la vache. Pas ça. C'est non. Enfin monsieur, monsieur, quoi t'as dit. Alors, Lima. Non. Après, Sima, non, va pas par loin. Hop là. Non, je vais écouter la réunion qui continue encore à écrire. Statique certes, mais t'as dit je crois. Ah mais oui. Oui, mais oui. Mais non. Si. Si si carrément si. Petit, as-tu compris ton erreur? Hop. C'est trop bien. Il y a des clairs de l'homme. J'avais pas prévu qu'il y aurait des l'héritage du coup. Donc il n'y avait pas les virtuels là où il fallait. Et cette certe est bien pratique, c'est bien vrai. Du coup, il me faut ici aussi. Bam bam bam. Plus unique. Ça va pas marcher, c'est tout. Thank you.
merde. Et ça remarche. Incroyable. Du coup, on a de l'héritage. Eh ben, dis le GG. Quel connard. Bof. Ça, ce feu. Ah merde. Hop là, ça c'est bon ça. Hop. Ok. Alors.
Ouais, ça c'est bien ça. Hop. Donc j'ai pas fait ces gears. Tu t'en sors alors? Oui, oui. J'ai réfléchi à la suite. D'accord. Pas à dire en ce côté. Pas à dire grand chose. Pourquoi? N'hésite pas à voir les deux ce que tu fais aussi, hein, parce qu'on voit pas ton écran, toi. Oh bah. Pas si. Attends, j'essaie juste de régler un truc. Là, par rapport à un concept de perso. J'en profite en fait pour voir quelques concepts un peu cool. Avant de les faire en mode genre, bah c'est ça qu'on veut. Si tu veux, voilà. Boum. Écran. Yes. Voilà. C'est mon écran. Il est pas très beau, mais. Beaucoup trop grosse cette lame, pareil. On va avoir une petite dagounette, ce serait bien. Non, d'accord. Toujours dans la demi-mesure là. Ah ouais, charme. Point, point, point. Ça, c'est pour les pros. Pardon. Ah ouais. Ouf, mais c'est tiré là. Tac. Hostia. Fantaisie. Il y a un pipeau, j'avais pas vu la flûte. Non. C'est bon pour le bard ça. S'il y en avait. Pourquoi pas. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi pas. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Marrant là. Ouais, c'est ça, marrant, ça, ça on trouve pas la fenêtre Discord à capturer. Ah ouais. Comment ça? Pim pim pim. Ciao. Ça c'est pour les pros. Je ne voulais pas vous importuner. Il y a des trucs aussi, hein. Bonjour. Elegant dagger. Allez, Elegant Dagger, il est. Oh, il va mettre un pack. Très bien, Kumso là. Et ring. On voit pas, hein. Attends. Non, c'est en l'autre, voyons ensuite. Voilà. Ah ouais, on voit quoi. Ah mais non. Il y a un peu con.
putain, la taille des piercings dans ce truc, c'est impressionnant, quoi. Oh, ça, là. C'est un pif, en fait. Oh, regarde, voilà, boum. C'est de la merde. On va pas lui mettre. Autant je finis ma bouffe, sinon elle va refroidir de ouf. Voilà. Ça, non. Parce que le bout de la queue. Ça, voilà. Mais comment ça, ça tourne pas? Comment ça? Ça, c'est le bout. T'as de la chance. Ah ouais, non mais attends, mais en fait la queue elle est full articulée, gros. Yes. Yes. Oui. Alors. Ça colle, bam. Toise de la merde. Alors bon, il y a des couleurs un peu palottes, tu trouves pas? C'est très ouais, très très blanc bleu clair, quoi. Oui, parce qu'en fait déjà de base, en fait c'était juste une décale pour mettre des couleurs pour que je vois à peu près la pose et tout le bordel. En fait c'est pas moi qui les ai choisis. Mais eh bien un truc un peu clair quand même, tu vois. Fabrique, ouais. Comme les... Comment ils s'appellent là, les nomades dans le désert là? Nomades, hein, dans le désert. Ouais, ils ont un nom. Pas ceux qui commencent par un toit, pareil, un peu comme ça là. Non? Touareg? Ouais, un truc dans le genre, non? Je sais comment ils s'appellent. Bah, je sais qu'il y a un peuple qui s'appelle les Touareg, mais. Je sais pas si c'est de ceux-là dont tu veux parler. Les habitants du Sahara. Ah oui, il me semble. C'est eux. Toi, ah, me suis pas trompé. Un petit peu de blanc. Vert, tout ça, la chaleur, tu sais. Est-ce que j'aimerais avoir une musique cliché là, juste pour accompagner cette créa de perso. Oh ouais, ouais, c'est un truc dans le genre là, un truc de ses morts. Fais péter l'Orient, ouais. Oui. On veut bien faire péter l'Orient, mais c'est la condition. Faut faire attention quand même. Enfin, péter l'Orient, la musique d'Orient, calmez-vous. Je t'ai vu venir à des kilomètres. Pas assez tôt. Ouais. Tu sais, c'est quand tu vois, tu sais que t'as fait un caca, mais
tu vois la conséquence arriver bien trop tard, tu vois. Tu sais qu'elle arrive, hein. Tu la vois arriver, mais tu peux rien faire. Tu peux plus rien y faire. Tu es mauvais, Jack. Mais putain, mais... Alors toi, là, où je vais te taper. Comment on... Barre-toi, infamie. Tu sais qu'en ce moment, mec, j'ai pris une sale habitude. C'est de pas regarder, tu sais, le live là, d'AlphaCast, tu sais, quand il fait son truc là sur le JDR, là, comment ça s'appelle ? Table Quest ? Ouais. Par contre, du coup, je mets ces rediffusions pendant que je fais du sport. Pas mal ça. Ouais. Non, parce que la musique seulement avec du. Ouais, enfin, juste la musique pendant que je fais du sport, ça me saoule. Enfin, j'ai besoin d'un truc à écouter pendant que je fais, mais je préfère largement mettre un podcast ou une connerie comme ça, tu vois, des gars qui parlent. Du coup, je comprends les mecs qui font du sport avec de l'audiobook dans les oreilles. Oh, c'est chum, mais isn't a bad idea. Alors, oui. Alors, Bah, s'il fallait bien que je fasse à un moment donné un voleur cagite là, ce n'était qu'une question de temps. C'était vraiment nécessaire. Oui. Oui, monsieur, oui. Le monde ne serait pas le monde sans un voleur Khajiit. D'ailleurs, je t'avais déjà envoyé la musique Khajiit Light to Sneak. Je pense que nous sommes dit un truc. Tu ris, mec. Tu ris, mais c'est vraiment vrai. Bon, après, elle est un peu trop longue. C'est ça. Elle aurait dû s'arrêter à la bleue. Oh non. Oh, c'est au père. Ah non. Papa, ça là. Quoi ça? Ça.
chaud. On est où toi? Je suis en train de faire un container à widget du coup. Cool. C'était prévu. Mais... vu que là les widgets de texte ils marchent, on peut s'y mettre. Yes. Oui. Je peux mettre le OV sur qui là? Sur toi. Eh. Je suis en train de mess around. Mais oui, ah, y'a trop con. Oh, j'ai fait une main. Ah, bah oui, tiens, on a pas fait une main. Aïe. Bah, si, on a fait une main, copy strike, copy strike. Quoi? Yes, yeah. Non, rien, je change une chanson libre de droit. Je croyais que tu disais qu'on allait se faire striker. Ah là 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 là. Tu sais que d'ailleurs il y a eu un trade aujourd'hui là-dessus, hein, comme quoi bah, les gens seraient plus prêts en fait à acheter une espèce de forfait, tu vois, mais qui du coup tu vois genre ça leur permet tu vois, de, bah, de mettre la musique qu'ils veulent. Et ils sont prêts à payer un forfait. Genre payer Spotify et du coup t'as le droit de streamer Spotify et puis, ouais, genre acheter une autre licence ou une connerie comme ça quoi. Ça simplifierait la vie, ça c'est sûr, après. Ouais, ça, est-ce que, est-ce que les artistes charge, en fait ils recevraient vraiment de la thune? Ça c'est ça, bon en fait, hein. Ça, tu regardes sur Spotify déjà, ils sont payés au lance-pierre, alors. Si par exemple tu devais payer une plateforme qui devrait faire retomber la thune sur les artistes, oula. Ils auraient peanut quoi, enfin. Bon après bon voilà, hein, je comprends, l'industrie de la musique est un peu. Bah, quand ils ont commencé, quand on a commencé à avoir internet, déjà ils commençaient un petit peu à claquer des fesses. Mais alors là. Ouais. Faut faire gaffe quoi. Ouais, 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 ouais. Catrice. Bah, c'est un peu eux qui ont le plus mal vécu, je pense, le passage numérique. Hein. Ah ouais, ça a dû piquer pour eux. Ah ouais. Pourquoi je te dis ah ouais? Je ne le croyais pas. Oui. Ouais.
artiste musique au moment du passage au numérique. Ah ouais. Moi aussi du coup j'aime musique, pas de raison. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? Quoi? J'ai le droit. Sinon tu n'entendras rien. Oui bah oui. Mettre une petite tuile. Relax. Allez, j'ai besoin de me relax. Relaxez-moi, playlist. Ça me fait penser toujours à ces genres de films où tu sais, t'as un mec qui est hyper actif. Et à chaque fois, il est comme ça, genre, ouais, je vais me détendre en méditant et tout. Il fait ça 2 secondes et là, ah, ça m'a vachement détendu, merci encore, et il se barre, tu vois. Après, ça me fait toujours rire quand je vois cette vanne. Alors que pourtant, elle est usée, mais jusqu'à la moelle, tu vois. C'est... Franchement, c'est limite interdit de continuer à la faire, quoi. Tout moi, je vois, je la vois, ça me fait. Je cherche pas. Tout c'est ça. Tweet cloud. On n'a pas les renderers, terrible. Oh mec, on peut faire des espèces de ninja de Mortal Kombat. À l'ancienne. Premier Mortal Kombat. Ouais. Parce que les derniers ils ont bien changé quand même. Mais ça reste encore dans la même vague. Mais c'est vrai ouais, que entre tu vois genre oui, Scorpion qui est vraiment juste une tunique en fait, et maintenant c'est limite une armure son machin. Ça a quand même bien varié quoi. Ouais non c'est sûr. C'est sûr que. Oui moi je te parle des classicos là évidemment. Classicos c'était très très drôle en vrai. Moi ça me fait triper Mortal Kombat. L'histoire elle est bête comme ses pieds mais c'est rigolo. Là j'ai envie de me faire une invocatrice objet là. Je vois les blagues dégueulasses qui en certains aspects. Voilà, pilote. Mais ça c'était bien. Arrête, c'est serait. De quoi? Moi je fais une connerie. Ou quelle connerie as-tu fait? J'ai déplacé du mauvais côté. Tu veux en parler? Ça te rend tous les soirs. Allez, c'est mon plaisir, je me fais foule. Par contre, j'ai la soif thé, donc je reviens. Très bien. Je rêve. Pourquoi? Me semble.
Alors non, c'est pas du tout ça que je voulais sélectionner, mais d'accord. C'est retrouvé de je suis bien couvert à je suis un peu à poil. Alors que c'est ça le sentiment du vent sur mon doux fessier. Bah j'aime pas. Je me souviens plus d'où est-ce que j'avais vu ça, ou le gars il disait ça à un moment donné dans un film, je pense. Thierry c'est mort, je pense pas. Je vois bien dans un film quelqu'un dire ça. Montre-toi, tenue adéquate. Je sais où tu te caches. Alors maintenant, mais putain. Bon, ça c'est un jean, les gars. Droit. C'est peu orthodoxe quand même. De quoi? De quoi? De vapoter qu'est-ce en stream. Ouais, ça va. Ça incite à la consommation, tout ça. Mais tout le monde le fait, même avec la cam allumée. C'est pas parce que tout le monde le fait qu'il faut forcément le faire. Non, c'est genre que c'est permis là. Vas-y, arrête. Vas-y, farce pas la petite bête, là. Vas-y. T'as rendu littéralement chenécouille à l'air. Pas fier de moi. J'ai pas la plaie. Oh putain, pourquoi je double clique? Alors j'adore parce que tu sais, du coup, ils nous mettent des ceintures. Ah mais non, mais je suis con, je comprends mieux ce que j'allais dire. Mais pourquoi ils mettent juste les ceintures et pas les pantalons avec, t'sais? En fait, non, vu que t'as des espèces qui ont pas de jambes. Oui, ça fait sens. Donc, je peux lui mettre une ceinture sur bord. Le fait, c'est qu'il y ait que des ceintures et pas le pantalon avec, tu vois. C'est normal. Ouais. Parce qu'il y a des races qui n'en ont point besoin. Tu peux mettre des pantalons sans ceinture. Ouais, ouais. Exact. Compagnie. Toi, tout compris. C'est au moins, c'est permissif. Yes. Allez. On part pas dessus, sinon après ça fait... Quoique non, si, allez, ça fait marrer là, comme ça. Elle a l'air rigolote. Invocatrice de type stylé. Voilà. Très très sec. Pourquoi il est très très sec? Quoi avec ça? C'est non. Oh c'est marrant ça. Ça ne correspond pas avec le reste mais voilà. Ouais, okay. Ça ouyou. Bon en fait ça c'était bien hein. On va lui laisser hein. Avec la plume dans... Ouais dans la plume c'est chiant. Vas-y ça c'est cool. Ok. Yes. Quelqu'un qui t'a écrit je crois lui là. Me trompe je... Ouais non. Enfin oui mais c'est pas important. Je croyais que j'avais plus les notifs comme ça. Rings? Ah, c'est que des rings! Oh, ces gants de l'infernal! Pain Brawlers!
Genre la meuf elle a vachement voyagé quand même avec ses vêtements là. Je pense que c'est ce qu'on veut. Doudou. Tu t'en sors, Elor ? Demande Gat-Gat. Ça va. Chill. Chill, man. Ça coûte combien déjà le truc pour vérifier si on n'a pas la coco ? Hein ? Ça coûte combien déjà là, le test que tu te fais là, l'autotest ? L'autotest, je crois qu'ils disent que c'est en moyenne 6 euros l'unité. Toi, tu l'as payé combien ? Moi, j'en ai eu 5 pour 20 balles, je crois, un truc comme ça. Parce qu'ils en avaient plus à l'unité. J'allais pas lui donner des Rangers quand même. Pas lui. C'est non plus, c'est marrant. Mais dis donc, c'est très chiant cette histoire là. Qui était donc un problème de code? Non, non, je natif Discord. J'ai l'impression qu'au bout d'un moment, ils considèrent que même si t'es en communication, t'as le droit d'avoir les notifs. C'est parce que t'as pas activé le mode streamer? Je sais pas comment on active ça. T'as les options, mais t'inquiète. Ok. Et là, j'avais pas vu, en fait il y a aussi des plâtres. Oh les chaussons quoi. Mais bien sûr, on a des talons. Mais bien sûr. Oh putain, mais il est haut talon quoi, à un moment donné, c'est quoi cette histoire? La vache! Quel moment tu marches avec? Bonsoir! Gat qui est mute. Coucou Monolith. Salut Mono! Gat il est mute? Comment ça il est mute? Il est pas mute? Pour. Parce que j'étais mute dans la réunion d'avant et du coup ça avait gardé par défaut. Par contre, Monolith dans le chat, ça fait bien 20 minutes qu'il est mis son message. Well. Ah, sérieux? Ouais. Putain, je l'ai pas vu. Désolé. Bon, ça j'étais à fond sur mon truc. Et moi, j'ai le chat là, contre... juste là, mais je le vois pas. Il y a le chat. Normalement, ouais. Il est là. Mais, il est mais ouais, mais bordel. Non, il y est pas. Hein. Je viens d'envoyer un message, là, y'a rien qui. Voilà. Test. Est-ce que je l'avais mal placé, je suis un connard. Attends, que j'ai cassé mes layouts. Monolith, es-tu là? Ah voilà, c'est mieux. Mono! C'est chiant, reviens, tu gamin. Fond sur si, j'en... si j'en crois, le Twitch Monolith n'est plus là. Non. Mais y'a... On a tellement peu de viewers, dès qu'il y en a un qui se casse, c'est déjà la catastrophe. Ah, déjà, ça fait 1 sur 5 qui s'est barré. Si à un moment on répond pas à ceux qui viennent... Bah ouais, c'est non. Ah mais je suis en MP, c'est un coupin. C'est un coupin, il connaît. Il sait qu'on est des news. Tu que j'ai pété quelque chose. Après, tu dis ça, Gat-Gat, mais est-ce que tu as checké aussi le nombre de bots qu'il y a? Je pense qu'il y en a un de bots là. Peut-être, je sais pas en fait, comment c'est si c'est des bots les gens? Ça, après, c'est l'habitude, donc je t'avoue rien. La vérité, par exemple, c'est 10 minutes qu'il l'a mis son message maintenant. Ah. Discord for Small Streamer, je pense que c'est un bot. Ouais, Discord for Small Streamer. Ouais.
Small. De toute façon, il a été créé aujourd'hui. Bon, après, il y a peut-être des gens qui créent encore des comptes Twitch, on sait pas. La vérité. Ah oui. Alors, il était sort de la Next Banana Nuts. Hein? Ah, rien. Je viens de manger. J'ai pas mangé. D'accord. Oui. C'est pas bien. Tu t'en sors. Essaye de référencer une fonction delete. Ah, j'ai des erreurs de compile encore une fois. Là, j'ai commencé à faire le container. Ok. J'ai vu que tout à l'heure, t'avais réussi à faire du texte. Oui, ça a remarché, c'est pour ça je vais continuer sur le container tant que je suis sur ma lancée. Et je pense qu'il est pas content parce que j'ai pas encore fait le move constructeur du container. Du coup, il doit pas aimer. Du coup, on va move. Ouais. Tu fais des nouveaux persos là, du coup Alors, je fais quelques concepts. Pour le moment. En fait, j'essaie de mettre un peu d'ordre dans les idées histoire de ne pas partir non plus toutes les 4-5 secondes partout et nulle part. Fantasy! Y a-t-il... Oh merde! Dis donc, langage. Oh. Oui, s'il vous plaît. Dis donc, crotte de bique. Il te manque une parenthèse. Un children. Ah. Merci. Celui-là aussi. Par contre, j'ai pas tout le monde, donc... Un oignon! Oignon! Ils ont commencé à mettre un oignon dans le truc! C'est trop bien. Mais pourquoi pas? Que tu peux tenir. Et une baguette! Ça fait pleurer les gens comme ça. Le mec, il y a des baguettes. Bonne baguette à la française. Oh. Bon, du coup, lui, il a son bouffe. Ça marche toujours pas. Oh mon dieu. J'ai le temps de voir bien l'erreur. C'était ligne 155. Putain, l'erreur, elle est vraiment pas explicite. Quoi. Alors. Erreur. Widget. T'as essayé de copier un widget. Mais pourquoi tu fais un append widget sans le move? Du coup, il essaie de se copier. Là, tu passes sur widget. Ici, là. Mais le widget, il a pas un move. Il vient d'où ça, ce widget là? Ce widget, il est créé plus haut. Il est là. On l'avait pas fait le move du base widget? Ah mais faut que tu fasses des moves. Ah faut l'expliciter ici. Eh oui. Non. Là oui. Quand tu fais le append, faut que tu le move. Faut que je le move ou je le forward? Faut que je le move. Forward, en fait ce que ça fait c'est juste que ça te garde le même type, en état de LRF ou RF. Donc là ouais. Si tu le forward il va te l'envoyer en référence. Non. Ah. C'est compil incroyable. Est-ce que ça a marché? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas ce que je fais. Tu as fait mon caca. Est-ce que j'ai encore tout pété? Oh, incroyable, ça marche. Ah, oh, je vois plus. Ah, est-ce que t'es en dual screen là? Ah, il faut que. Oh, c'est beau. T'as vu, ça remarche comme avant. Sauf que maintenant, tu vois, maintenant on a juste un base widget où on lui dit en fait t'as un container. Et après, on prend tous les widgets, on fait ah, bah en fait t'es dans le container. Et après, on fait ah, container, rends-toi. Non, c'est pas là. C'est là. Rends-toi, container, je sais où tu es. Dans oh, tu es en route. Tu es cerné. Voilà. On devrait l'appeler l'argent, comme ça on serait obligé de rendre l'argent. Ah yes!
en large. Très bien. Et du coup, t'as comme ça, en fait, on a un widget de base dans lequel on pourra dire bah voilà, maintenant je veux que tu t'affiches le menu et on pourra retirer le container de menu, machin, tout ça. Tu pourras changer d'écran facilement. C'est pas mal. Astucieux. Puis surtout, comme ça, en fait, tout le code où on crée les bases widgets, machin et tout ça, il sera facilement plaçable en loading de MDF. Et il nous rendra juste en fait un base widget avec un container. Dans toute ta hiérarchie. Et puis t'as tout qui est bien placé dedans. Et... C'est beau. Et puis voilà. Ça fait des petits papillons dans le ventre. C'est une très grosse base. Hein, parce qu'on aura besoin d'autres trucs, je pense. Mais... Et d'ailleurs, le vrai rendu texte. Soon. Avant... Soon. Pas mal. Terre, ouais, je pense. Stylé de ouf, ça. Hein. Après, il y a alors les vacances au milieu, mais. Et voilà. Ah, il y a bientôt des vacances de prévu. Il faut que j'arrive à finir ce week-end, parce qu'après, le week-end d'après, je suis pas là. Le week-end d'après, je suis pas là. La semaine d'après, je suis pas là. Le week-end d'après, je suis encore pas là. Ah, ouais, juillet, c'est chargé chez toi. Hein. J'ai pas le temps. Ah, vous croyez pas le temps. Je crois que les vacances. Bah c'est très bien. Bah c'est heureusement qu'on fait les streams en semaine du coup. Quelle fraude. Il y a la compression qui a décidé de niquer l'écran. Nique l'écran. Du coup, quelle est la prochaine étape? Bah c'est une bonne question parce que je suis à court d'idées là du coup. En vrai, faut que j'améliore un peu le truc parce que. En fait, faudrait déjà, je pense que. Tu vois, le base widget. Je sais pas si je veux qu'il ait plusieurs components ou pas en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis encore assez indécis dessus parce que. En fait, tant qu'il a plusieurs components, c'est chiant parce que c'est un peu un container. Mais en même temps, si tu veux genre un texte avec un fond ou un truc comme ça, tu vois, t'aurais besoin de plusieurs components. Mais tu pourrais en même temps te dire, bah du coup, c'est un container qui a un texte et une image en fond. Je suis assez mitigé là-dessus, je sais pas trop. Et en vrai, je pense qu'il va juste prendre un seul component. Comme ça, on pourra directement lui envoyer au constructeur, ce sera moins chiant. Et j'aimerais bien aussi voir si je peux... au niveau du container lui envoyer une liste d'objets à contenir directement. Je sais pas si c'est possible ça. Je pense. Hein. Y a pas de raison. C'est pas ambitieux. Tu penses? Même si on passe par un vecteur temporaire entre temps, tu vois? Ouais, c'est un vecteur temporaire, ouais, pas de soucis. Tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'au pire j'envoie un vecteur en paramètres. Ouais, en fait, c'est parce que tu vois, le code il est dégueulasse quoi. Genre, à chaque fois, faut que je vienne ici, que je fasse append, append, machin, tout ça. Alors que si même tu vois, juste là, rien que ça, tu vois, ça me révulse, c'est un truc de ouf. Alors que je pourrais juste mettre ici, bah en fait, voilà, ton component c'est un text widget, et puis voilà. D'ailleurs, je voulais essayer de voir si je pouvais dégager ça. Et lui envoyer directement, mais vu que tu me disais que les mecs uniques ils sont un peu chiants. Attends, envoyer tout ça là, tout le. Juste ça. Est-ce que ça il va bien aimer? Je suis pas sûr. Est-ce que t'avais l'air de dire que niveau c'est vrai. Oh non, ça passe. Putain. Trop bien. Bon bah, ce sera toujours une ligne de trucs inutiles en moins. Ouais, c'est ça. Ouais, ça m'étonne que ça passe, mais tant mieux. Grave tant mieux, hein. ça me satisfait grandement. Je crois que s'il est vraiment pas sorti une référence et qu'il t'en a. Il peut avoir un const et puis que ton truc est pas const. Il arrive pas à faire la conversion. Et là, vu que c'est un constructeur, il arrive pas à déduire le const depuis un objet non const. C'est bon quand même. Pourquoi? C'est très chiant ça. Très très chiant. C'est quand même ouf quoi. Et pareil, si t'as un truc polymorphique, je crois que ça marche pas bien, genre. Pardon. Si prend le type parent par exemple. Ouais, c'est ça. S'il prend le type parent, tu lui envoies un truc que toi t'as typé. Faut que tu me castes pour lui dire ah, c'est bien celui-là. Je crois bien, ouais. À vérifier, je passe sur à 100%. Pas chiant du tout. Pas chiant du tout.
Du coup, je peux déjà virer ça. Hop. Je vais déjà virer la boucle de Render, je crois. Ça, du coup, on peut virer parce que maintenant on peut faire sans nuit. Ça, c'est quand même pratique parce que là, du coup, en fait, à partir de ce moment-là, si on fait bien les inputs et tout ça, on a juste à faire un render route, une fonction pour gérer les inputs, et la boucle principale elle est faite quoi. Elle est torchée. Par contre, tu devrais faire les transitions et tout ça. Ce qu'on appelle GE render et GE swap buffer là dans ta boucle principale. Ouais, ici. Ça, bah fais-le à la fin. Avant, juste avant le GLF W swap buffer. Sinon, tu vas avoir une frappe de décalage en fait. Yes. Après, là, vu que c'est statique, ça se voit pas. Mais... Ouais, bah sur le type de jeu qu'on a, ça sera pas transcendant, mais autant être. Autant bien faire les choses quoi. Exiter un peu tout niqué. En fait, j'ai l'impression qu'il est exactement à la même position et c'est ça qui va pas. Ouais. Après, ouais, là, tant que t'appelles à la largeur des textes, c'est compliqué de faire un truc bien centré. Tu vois, je t'avais dit que ce debug il serait pratique. En vrai. Ouais, ils sont à la même position là. Parce que là, tu vois qu'ils commencent à la même position, mais en même temps, ça peut tellement être un effet d'optique aussi. Ça, ouais. Ça... Bah, très bien. En vrai, moi, je pense que je vais m'arrêter là. On avait dit qu'on streamait de 18h à 20h et il est bientôt 21h, mais en même temps on a commencé à 18h30. Donc... Ah, du coup tu mets une demi-heure en bonus. Ouais, j'avoue, là ça fait 2h24 qu'on est en live. C'est pour les excuses. Désolé. Ouais, putain, merde, tu dois être à long là. Merde. Aborte. Aborte. Ah, c'est encore des talons! Parce qu'après, en vrai, là, tu vois, ce que je te disais, c'est que j'avais mis tous les textes dans le container. Je pense que le route container, en fait, il va. En fait, il va jamais changer. Il va juste virer des enfants ou rajouter des enfants, quoi. Et du coup, t'auras un deuxième container big frame, entre guillemets. Ce sera soit le menu, soit le in-game, soit les options, enfin ce genre de truc là. Comme ça, lui au moins il bouge pas et. Ouais, là où tu vas t'amuser, c'est quand tu vas vouloir faire les layouts verticaux, horizontaux. Ouais. Ça, c'est là où ça devient drôle. Le truc où on se dit, tiens, ce serait bien si cet objet, quand je le mets, bah, il est exactement à 20 pixels en dessous de l'autre objet. Ouais. Ça, c'est toujours bien ça. Ou alors qu'il soit zoomé selon quand tu changes la taille d'écran. Voilà. Place qui se colle à gauche de l'écran ou à droite de l'écran. Mais ouais. Ah, ce truc là c'est marrant, on va pas se mentir. Pour ça je me dis, est-ce qu'on fait vraiment de lui ou est-ce qu'on fait pas de lui? Mais en même temps j'ai toujours pas vu de truc de IMGUI qui était vraiment de lui in-game. Faut que je retrouve ton lien là. Ça se trouve. Oh putain, pardon, trop bien. Parce que du coup... De ouf, on va streamer là. La issue directement. Ouais. Parce que tu vois, tout ça, ça reste quand même des trucs d'éditeur. Ah ouais, pas, mais hein, c'est bien, mais c'est pas forcément très stylé d'un point de vue utilisateur. Ouais, ouais. Il y en avait des vraiment beaux, mais je pense que c'était assez vieux en fait, donc c'est pour monter, je pense, dans les postes d'avant. Effectivement, sur celui-là. Et tu vois, genre, ça tu vis là, t'es là, tu fais bon, c'est un peu de cheapos quand même. Parce que ça a l'air quand même très carré, enfin je sais pas. Genre, pas comment non, dire, mais... genre celui qui était juste au-dessus là il était mieux quand même. C'est bien.
C'est bien. Il y a de télé. Encore au-dessus. Ça là. Tu vas dire avec la réussite. Ouais. Le nodal là. Ah, ça fait un peu moins. Ah non, pardon, t'es plus haut. Deux en dessous du coup. Celui-là. Ouais, le curve. Le file manager. Ouais, c'est ça. Il fait un peu moins debug, je trouve, comme style, tu vois. Des... Ouais, c'est pas fou. Et j'ai vu mieux que ça. Je sais plus où, mais. Il y a mieux encore. Oui. Ça fait recharger le stream pour avoir moins de télé. Ah, il y a de la musique maintenant. C'est fou. Incroyable. J'avais pas descendu le stream pour pas t'avoir double. Ouais, bah tu m'étonnes, c'est un peu chiant ça. Parle encore là. Je vois rien qui bouge, rien qui parle. Si, c'est ce que j'étais en train de changer des trucs sur la manière dont je vois les messages. Okay. Tu vois, celle-là déjà ça a plus de gueule de UI de jeu. Ça. Un peu, ouais. Mais tu vois, ça reste quand même très très fenêtré en fait, quoi. C'est ça qui est un peu. Ouais. En fait, après, c'est ça qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que c'est que des fenêtres tout le temps, tu vois. Alors, bah, c'est cool, hein, pour faire des fenêtres, c'est super bien, sauf que une carte, c'est pas forcément une fenêtre, un plateau, c'est pas forcément une fenêtre, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça qui me gêne un peu, et en vrai, j'ai toujours pas eu de preuve du fait que c'est pas forcément que des fenêtres, tu vois. Tu peux faire des trucs plein écran. Je suis au bout! Non! Ah, follow-up. Ça, c'est un thread sur. Il y en a 13 des comme ça, je crois. Sur, enfin, tout au début, il y a la liste. Ouais, donc voilà. Les gens qui font des. Oh là là, des dialogues, c'est génial. Sympa ça. Ouais. Ouais, il a fait un framework autour et tout, apparemment, quand même. Ouais, là, pour faire des... Mais c'est pour le glow, après, ouais. Enfin, de ce qu'il a l'air de dire, c'est pour le glow. Faut vraiment mettre les mains dedans. C'est stylé, ça. Non, après, y a pas à dire, hein, pour le debug, c'est fantastique. Vous êtes deux fois là. Je crois que c'est le mec qui a reply en fait. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Le mec il a intégré lui de debug dans le. Dans le jeu. C'est génial. Alors, je m'excuse, pardon. Ouais. Heureux. C'est le voisin qui venait me dire qu'il avait chopé deux gamins qui essayaient de forcer le local à vélo et qui commençaient à partir avec deux vélos qui n'étaient pas. Putain. Non, mais je t'avais dit que du coup la porte avait été défoncée. Ah ouais, tu m'avais dit. Et du coup, c'est toujours pas. Non, du coup, là, en fait, quoi que ce soit. Non, parce que déjà, d'une, ils sont d'une lenteur monstrueuse. Et bon. J'ai pas envie de partir en mode salé, en mode genre, ah et nous on paye et machin, tu vois. Mais bon, c'est un peu ça. Et en gros, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que du coup, ils vont remplacer la porte à la con là, et du coup, la mettre en ferraille. Pourtant, c'est fini le bois. Ça leur fera déjà plus mal aux pieds, ou alors ils ramèneront un pied de biche. Voilà, donc du coup. Non, mais. Bref. Et donc, du coup, là, t'as un voisin qui a chopé deux gamins. De gitans en fait,
qui commençait en fait à piquer. Je croyais qu'on avait dit qu'on disait pas ce mot-là. Je suis pas en train de dire de détester tous les gitans, j'ai rien contre les gitans en manière générale, c'est juste que bah là il se trouve que c'était des deux. Pourquoi tu me fais ça? Hein? C'est toi qui m'as dit qu'il fallait pas dire ce mot-là. Non, j'ai dit il faut pas être politique, là c'est pas être politique. Bah un peu quand même. Mais pas du tout. En quoi c'est politique de dire ça? Les problèmes de sécurité de Paris viennent des gens du voyage. C'est carrément politique. J'ai envie de me suicider les boules. Donc là, du coup, vous êtes en train de regarder quoi là? On regarde la bibliothèque qui fait les fenêtres de debug qui est déjà intégrée, voir s'il y a des exemples d'interface in-game, mais. C'est pas très concluant pour le moment. Enfin, moi je trouve pas. Mais y'en a, je te dis qu'il y en a. Y'en a J'en ai vu, je suis sûr. Mais pour le moment, on voit surtout des fenêtres en fait, c'est ça le truc. C'est qu'il y a beaucoup de fenêtres. Mais... Et en fait, les fenêtres, il me semble que tu peux en faire sans bordure et en plein écran, donc à partir de là. Tu vois là. Si c'est des fenêtres aussi. Ça? Ouais, non, c'est... Oui. C'est clairement des fenêtres, ça. Ouais, chut. Même en plus, regarde, le rendu in-game, c'est un bureau. Aucun rapport. Je me rappelle, c'est une image... Ça. Où t'as un menu de... C'est un main menu quoi d'un jeu. En MGB. Il y a encore de la... Ouais mais encore tu vois genre le menu je veux bien mais si par exemple tu veux afficher des objets plus complexes genre admettons tu vois tu veux te mettre des barres de vie au dessus des ennemis ou quoi que ce soit, je suis pas sûr que IMGUI soit le plus adapté pour ça tu vois. Ah ouais, mais après tu peux toujours pousser tes rectangles dedans. Rectangles dans les buffers d'IMGV et puis tu fais le rendu. C'est comme ça que je fais le rendu texte d'ailleurs. Ouais, j'avais vu ça. C'est vraiment beau hein. Ouais. Oula, c'est beau ça. Something happened. Sympa. Après, il y a des belles couleurs, ça, c'est vrai. Regarde, mon dieu, ça pique les yeux, ce truc. Ouais, d'accord. C'est bon. Ouais, c'est pour envoyer la vidéo par le network, en fait. Il montre ce qu'il envoie, comme ça, tu fais un diff, hein, tu fais un XOR à tout péter, et puis... Puis du coup, à chaque fois, tu avances de frame en frame. Comment? Ouais, c'est ça, c'est une compression. C'est une compression bête et méchante. Puis après, tu te rends compte que t'as tellement de reliquats que t'es obligé de renvoyer la frame exacte au bout de 3 secondes. De temps en temps, ouais. Parce que sinon, ça marche pas. Mais c'est rigolo, enfin. C'est très. Tu vois, là, il donne son style, le monsieur. Je sais pas ce que ça fait, mais. C'est vrai qu'il y a pas la. En fait, c'est en réponse à un truc. Bah, je regardais, mais j'ai pas l'impression. Ou alors, c'est ça. Ah, c'est ça. Ouais, si, c'est lui. Bah, moi, je le trouve très très blanc son thème. Quand même. Ouais, ça... ouais, c'est pas très visible. Bah, je trouve que ouais, t'arrives pas à lire, c'est trop blanc sur blanc. Quoi. Et lui, ça pique les yeux aussi. C'est plus l'harmonie des couleurs qui. Harmonieuse. Un thé mineur dans IMG. Ah, tu vois? Excellent. Non, mais... le dé mineur, par principe, c'est que des fenêtres. Bien sûr que tu peux faire ça. Et même, tu vois, là, le mec, il a dû mettre F pour flag alors qu'il aurait pu mettre un drapeau. Bah, il l'a pas fait, tu vois. Ouais, mais c'est bien la preuve que c'est compliqué. Non, c'est qu'il avait la flemme.
très stylé ça. J'avoue. Ah, il a fait du rendu de IMG8 en ASCII du coup. Ouais. C'est génial. C'est fort. Tu vas pas me faire croire qu'Assassin's Creed Odyssey, lui, elle est faite avec. Avec non, c'est pour le debug. C'est pour le debug, ça va. Je pensais qu'il y aurait des screens, des softs, mais non, il y a juste la liste. Et du coup, tu sais pas ce qu'ils utilisent dedans, en fait. C'est un peu dommage. Ouais. Ah, regarde, celle-là, elle est pas mal. C'est ce que je regardais, mais c'est quand même. Encore une fois, tu vois, c'est. C'est quoi qui te fait peur? C'est genre des. Genre des fenêtres texturées ou des. Avec des fonds texturés. Bah, c'est vraiment le truc de ta. Tu vois, t'as toujours l'impression que c'est une fenêtre qui est autour, quoi. Enfin, je sais pas. Bah, je sais pas. Après, je te propose ça parce que c'est moyen de faire. Tu feras pas des trucs ouf, mais comme le but là c'est de finir le jeu, pas forcément d'avoir un truc. Oui. Faire le taf quoi. Ah, déjà, ça tu vois, je trouve que c'est déjà un peu plus convaincant. Tu vois. Même si tu vois là, t'as des. Bon, ça je pense que c'est le mec qui a décidé que ce sera comme ça. Mais... Oui, tu choisis là, la définition du truc, je pense. Beaucoup de fenêtres. C'est pas le meilleur showcase pour montrer que tu peux l'utiliser in game quoi. Ah bah non, c'est pas le but. Le but c'est de montrer que tu peux l'utiliser. Ça c'est stylé. Si tu vois encore une fois, tu sens que c'est quand même bien encastré dans des fenêtres quoi. Enfin, je sais pas. Après, je sais pas si c'est genre voulu et du coup, c'est complètement. Alors là, je pense que c'est juste que le vieil est dégueulasse, mais je pense que le IMGV là c'est juste pour faire du debug et des modes. Quoi? Parce que le reste de l'UI c'est pas. Trahison. Là c'est encore pire. Trahison. Mais ouais. Non, mais ce trackman là il a brûlé. Il a brûlé. C'est un trackmania en plus. Ouais. C'est ta spécialité ça. Ouais, mais celui-là il est maudit. C'est Open Planet. Ouais, c'est Open Planet pour le coup ça se branche à peu près sur tous les trackmania. Ah d'accord. Et effectivement aussi pour gérer les mods, les répètes serveurs, etc. Ouais, c'est une UI debug. C'est un truc externe en plus. Oui, du coup, ouais, non, ils ont probablement pas utilisé IMG8 pour ça. Je sais pas à quel point il y a un super intérêt de Trackmania. J'aimerais bien retrouver ton screen dont tu parlais là. Oui. Moi aussi. Oui. Hop, save.
Bon bah voilà. Ça finit. On sait. Ok. Je n'ai pas d'homme. Ah. Que j'ai sauvegardé. Donc il y a deux héros là que on va bien refaire. Encore une personne qui ne maîtrise pas le, l'impression écran, ça. C'est compliqué. Ah, c'est dur. Et que j'ai codé. Ce qu'on pourrait avoir. Si on était en pro, bah. Bon. C'est rigolo ça. Okay. Je commence à avoir fait le tour des pages. Possible. Il y en avait un qui était bien. Ouais. Je m'excuse, lol, MDR, pardon. À tes souhaits. Yes, merci. Il y avait écrit cocaïne. Il fait l'apologie de la drogue sur ce stuff, n'importe quoi. Cool. Comment ça? Ça me... J'ai tout vu. Oh, quota. Encore lui. Mais c'est, ouais, c'est le même mec, ça, encore un coup. Je pense que sa, c'est le cette fenêtre physiquée dans l'espace. Il y a déjà une sorte d'écriture, tu sais pas ce qu'ils font comme boulot, mais ça a l'air compliqué. Quoi. Ah merde, il y avait un lien vers le 10. Dommage. Ouais, il y a des trucs intéressants. Est-ce que... Je pense là, ouais, tout est fait avec Evil, je pense. Bon, le texte est dégueulasse, mais parce qu'il a... Tu peux changer la fonte. Faire des cartes poche, c'est possible. Ouais, j'étais en train de me dire. Parce que ces cartes là, elles sont un peu coupées quand même. Ouais, ouais. Mais en vrai, c'est juste une texture. C'est... Ouais, ça, ah. C'est. Si le mec se démerde mal, il se démerde mal aussi. C'est par-dessus. Font des trucs stylés les gens comme moi. Ah j'avoue là, il y a du taf. Hein.
être assez gratifiant pour le mec qui bosse dessus, de voir que c'est utilisé. Autant, ouais, carrément. Regardons à cette belle fenêtre. Elle est sur pause, en fait. Non, mais au-dessus, pardon, parce qu'il y a encore... Ça ? Attends un peu, parce que... Non, encore au-dessus. Encore au-dessus. Voilà. Et la fenêtre de login. Ah, login classique. Pareil, ça, c'est ouf. Ouais, les trucs de bibliothèque multimédia, là, ils s'envoient un peu, les gars. Ah, le mec qui travaille chez Spotify. Et ils avaient un update, et du coup, il a fait un client d'IRMGV. Ouais, ça me rappelle. Style. Je savais que je l'avais vu. Qu'on se rapproche peut-être de ton screenshot mystère. Non, parce que je pense que c'était avant, du coup. Je pense que je l'ai filmé. Non, je pense que c'était d'autres fenêtres. Toutes pièces. Fenêtre, là, tout à l'heure où il y avait Choose en gros, là, en titre. Ouais. C'était ça. C'est ce que je pensais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais après, c'est stylé quand même, comme truc. Hein. Ça fait un taf de ouf. Hein. Après, je pense, ouais, faut être motivé pour faire un truc qui a vraiment de la gueule. Ou tu peux faire du Windows 2000, quoi. Même 98 à ce niveau-là, je pense. Quoi ? Ouais, c'est ça, c'est IMG Indie, ah, ça. Windows 98. Ah, il a stylisé, hein. Non, merci. C'est pas des styles qu'on peut retrouver. En fait, à chaque fois qu'il y a une UI qui a l'air genre stylée, eh ben en fait IMG UI c'est juste la débâcle. C'est un peu la tristesse. Ah, un calendrier est trop bien. Ouf. Bon bah là je pourrais dire que je les ai toutes vues normalement les pages. C'était pas concluant. Ouais, celui-là là, déjà. Ah oui. Je me souviens du Xemu. Bizarre. Ouais bah voilà. On a fait le tour du coup. Après bon. Faudrait que j'essaie un peu vite fait voir si... Je peux faire un truc pas mal. Ouais, si t'arrives rapidement. À pitouiller. Alors j'en ai trouvé une, mais c'est un peu dégueulasse sur les internets. Ah ouais, c'est vrai. Bon, y'a moyen de faire mieux. Bah oui, oui. C'est pas dans une fenêtre. C'est pas dans une fenêtre. Oui. Je vais l'afficher pour la postérité du stream. J'en ai un autre. Attends, bouge pas. Je crois que c'est les mêmes personnes qui l'ont fait parce que c'est la même gueule. Nox Futur. Ah oui, ça s'appelle Plaque Futur l'autre. Donc, ah. Pardon. Je vais pas m'en empêcher. Ah mais c'est un roguelite, c'est un toolkit en fait, ok. Ou alors c'est qu'ils l'ont fait avec un toolkit. Ouais. Le ouais. Bref, voilà mes inquiétudes. D'accord. Bon bah du coup on va peut-être s'arrêter là quand même. Yes. Ouais. Bon, on a réglé lui. Ouais. On a réglé lui, on a regardé IMG 8. C'était bien. On a réglé elle aussi. De quoi ? On est sûr qu'il doit participer au projet ? voilà. Bah voilà, on va pouvoir s'arrêter sur ces mots de sagesse. Du coup, bah on se retrouve demain en fait. Yes. Oh non, déjà 18h-20h. Ah ouais, non, mais demain c'est... Ah, 18h-20h, ça va. C'est... Oh. Je suis pas là. Ça va parce que t'es pas là ? Non, je suis pas là le soir, après quoi. Ah,
pense. Puis cette fois-ci, on essaiera d'être à l'heure. Ne regardez pas. On peut pas, t'as de la chance. Allez, une bonne soirée. Si vous avez un mot de la fin, allez-y, c'est bon. Cacahuète. Tartuffe. Pas mal. Très bien. Bonne soirée, à demain. Soirée, tchuss, au revoir, bisous. Salut.